Bonjour à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester une petite trouvaille que j'ai fait tout simplement en faisant mes courses. Elle était en promo, 20 euros pour cette barre LED de chez Lidl. Ce qui a attiré mon attention, c'est ceci, Zigbee Certified. Donc elle est compatible Zigbee, j'ai fait une petite recherche, elle est compatible sur Zigbee tout MQTT. Donc je vais me faire un plaisir de l'intégrer à mon installation et je vais te présenter ça tout de suite. Juste avant ça, cette vidéo étant sponsorisée par Media MZ et CDKSales.com, je vais te montrer comment avoir Windows 10 et Office à un prix dérisoire. Cette vidéo est sponsorisée par CDKSales.com. Pour acheter Windows 10 avec upgrade gratuit de Windows 11, je vous mets le lien dans la description, cliquez sur acheter maintenant. Via le code promo que je vous soumets DC35, vous avez 35% de réduction, donc vous aurez au lieu de 20,56€ Windows 10 Pro au prix de 13,36€. Cliquez sur soumettre la commande, choisissez votre moyen de paiement, pour ma part je prends PayPal, cliquez sur payer maintenant. En cliquant sur mes commandes achetées, on clique sur voir la clé secrète, obtenez la clé, vous avez un bouton sur le milieu et ensuite votre clé est affichée, il suffira de la copier pour la coller au niveau de l'activation de Windows. Pour activer votre produit, tout simplement rendez-vous dans les paramètres de Windows, dans vos panneaux de configuration, vous recherchez activation. Si vous voulez mettre à jour votre clé, il suffit de cliquer sur modifier, vous saisissez votre nouvelle clé si vous n'avez pas encore encodé celle-ci. Et vous verrez votre Windows 10 ou votre Windows 11 activé. Que la lampe puisse être appairée, il faut qu'elle soit fatalement en mode appairage. Ici, c'est pas le cas, elle est allumée. Donc, je vois dans le manuel qui est assez bien fait, réinitialisation de l'éclairage. Non, 10 secondes éteintes, 1 seconde allumée, 3 secondes éteintes, 1 seconde allumée, 3 secondes éteintes et allumée. Bon. On va tester. 10 secondes éteintes. On rallume une seconde, on rééteint 3 secondes, on réallume une seconde, on rééteint 3 secondes, et je la rallume. On voit que ça clignote, elle est en mode appairage. Sur Zigbee 2MQTT, j'ai même pas eu besoin de lancer, il est en train d'interviewer mon device Zigbee, vous voyez ici au-dessus, qui fait sa recherche de configuration. Interviewé convenablement, je vais rechercher maintenant via son nom. La voici, notre barre LED Livarno Lux Light Bar RGB est reconnue sur Zigbee 2MQTT et on peut maintenant la contrôler avec la domotique. Quelques infos pour Xpost, on a le on et le off. Donc ça comme d'habitude, rien de spécial. Le brightness, on peut le régler de 0 à 255. Vous voyez que ça réagit. Color température, ben là ça va passer de jaune à blanc, voire même orange. Puis on a le choix des couleurs. Donc ça comme une ampoule traditionnelle RGB. On a vraiment les mêmes effets qu'une ampoule qu'on pourrait avoir en RGB chez Lidl, donc les ampoules 14-27 ou les spot LED. Vraiment le même principe dans Zigbee 2MQTT, les mêmes informations qui remontent, si ce n'est qu'ici on a une barre LED. Une fois intégré sur Zigbee 2MQTT, je vais me rendre dans Home Assistant, Paramètres, Appareils et Services, je me rends dans l'intégration MQTT, je vais rechercher la Lidl barre LED, elle est ici. Changement de couleur, changement de température, ça fonctionne correctement. On passe sur du bleu, on passe sur du vert ou encore sur du rouge. Je règle l'intensité, pas de problème non plus. Allumage et extinction, c'est pareil, tout fonctionne correctement. Donc vous avez vu l'intégration, ça se passe super simple, c'est super rapide. Voici au niveau de la taille pour se rendre compte de ce que ça donne. La forme et les attaches. Voilà, vous le voyez bien. Donc sur la caméra, possibilité de la fixation murale.
Et donc on a quelque chose qui est assez sympa pour une ambiance. Ne comptez pas dessus pour un éclairage, pour éclairer une pièce, ça va pas le faire du tout. La luminosité n'est pas assez forte, mais par contre le soir, si vous voulez un éclairage dans une chambre ou en regardant la TV, ça posera aucun souci. Évitez quand même de la mettre devant vous en frontale, au-dessus de la barre de son, parce que ça risque de vous éblouir. Mais derrière le fauteuil ou autre part, derrière un meuble, derrière la TV, c'est le même principe que les barres Hue en fait, que vous pouvez mettre derrière la TV. Voyez ce que ça donne ici en rouge. Je vais changer de couleur, on voit un petit peu mieux que sur l'autre vidéo de présentation. Donc cette barlette, elle est assez sympa. Si vous la trouvez en promo comme moi pour 20 euros, n'hésitez pas, vous pouvez foncer dessus. J'espère que ce test vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, likez, partagez et activez la cloche pour être tenu informé des autres vidéos. Allez, ciao!